Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo qui va faire un petit peu le point euh, sur les prises de parole de David Friot, notre directeur sportif, et Pierre Sage, notre coach. Vous allez voir, ils ont dit des choses quand même assez intéressantes, hein, qui nous, vont nous éclairer sur euh, l'avenir. Donc on va parler des objectifs du club, on va parler du mercato, on va parler d'un sujet quand même euh, bah, qui est un vrai sujet, c'est l'association Miko Tadze, la casette. Et là, Pierre Sage nous a donné des clés intéressantes. Et on terminera par une petite polémique, puisque dans l'afterfoot, je crois que c'était mardi. Eh bien, Thibaut Leplat, qui est un des intervenants dans l'émission. Une émission où le cas Olympique Lyonnais a été abordé assez longuement. Le point de départ, c'était la faiblesse du milieu de terrain. Mais vous allez voir qu'on a parlé d'un certain nombre de choses. Alors, il y a à boire et à manger, mais je pense quand même qu'il y a un fond de vérité sur une petite euh, une petite bombe à retardement <laughs> à l'intérieur du club, euh, qui concerne d'ailleurs notamment David Friot. Alors évidemment, euh, avant de se lancer dans une saison qui va être longue, une sorte de marathon, je rappelle quand même 34 matchs de championnat, au minimum 8. Euh, d'Europa League, si on se qualifie ça fait deux de plus, si on va au tour suivant ça fait encore deux de plus. Donc 12 matchs, on arrive déjà euh, bah, à 46, plus la Coupe de France, donc on sera pas loin des 50 matchs. Hein. Donc euh, bah, euh, on a envie de savoir où le club veut aller, et évidemment, maintenant que les objectifs sont fixés, à la fin du mercato, eh ben, on se posera la question est-ce que le recrutement euh, tel qu'il a été fait entre les départs et les arrivées, eh bien, rend cohérents euh, les objectifs fixés. Donc David Friot n'y va pas par quatre chemins, mais vous me direz, c'est ce qui avait été dit déjà la saison passée. L'objectif sera à minima de se qualifier pour la Champions League. Hein, donc, euh, on va dire faire dans les trois premiers, le quatrième pouvant être qualificatif. Mais si on regarde historiquement euh, sur les dix derniers euh, clubs qui ont dû se qualifier pour Ligue des Champions euh, par un tour préliminaire, sachant même qu'il y en a deux, il hein, y a <laughs> un tour préliminaire et un barrage, c'est ce que est en train de, li de vivre Lille d'ailleurs qui joue face au Fenerbahce qui a fait 2-1 au match aller. Est-ce que ce sera suffisant pour se qualifier, sachant qu'il y a encore un tour après Ce n'est pas du tout garanti. Donc vraiment, si on veut se qualifier pour la Champions League, il faut impérativement euh, bah finir dans les trois premiers. Il faut dire on est dans les trois meilleurs budgets du championnat. Après, on vous pourra ergoter en disant que. Monaco, avec un système fiscal et social privilégié, a finalement peut-être un budget supérieur. Bon, bref, on pourrait rigoter là-dedans, mais on va dire, on est dans les 3-4 meilleurs budgets, donc normalement, euh, cet objectif n'est pas dingo. Il y a un autre aussi moyen d'aller en Ligue des Champions, c'est de gagner la Ligue Europa. Euh, donc, euh, bon, on va suivre ça, évidemment, mais l'objectif, il est clair. C'est un projet qui est plus au niveau de ce que doit être celui de l'OL. C'est une pression pour le club évidemment, mais aussi pour Pierre Sage, parce qu'évidemment Pierre Sage, il sort d'une deuxième partie de saison euh, extrêmement positive, donc avec une auréole, Pierre Sage totalement intouchable. Mais attention, vous le savez, dans le foot, ça peut tourner très vite. Euh, D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur le live face à Arsenal, hein, justement. C'est un peu notre euh, notre Everest à nous. Hein. Donc, bon, une semaine de la reprise du championnat. Je ne dis pas que ça voudra dire énormément de choses, mais en tout cas, bon, ce serait quand même bien de ne pas se prendre une rousse et un bon résultat, évidemment, nous mettrait en confiance. Alors évidemment, il y a un problème très, très, très épineux. Vous le savez, j'ai euh, repris l'information hier, Anthony Lopez a une ouverture du côté de Strasbourg, mais comme je l'ai dit aussi dans cette vidéo, je ne crois pas une seule seconde qu'Anthony Lopez va aller à Strasbourg. Donc je le vois plutôt faire la saison avec l'Olympique lyonnais en tant que numéro 2, et vous allez voir que David Friot finalement reprend une expression que j'avais donnée dans les commentaires, puisque certains me disaient Oh là là, si Lopez y reste, c'est un problème pour Lucas Perry, euh, ça va être la mauvaise ambiance, etc. etc. Bon. Alors, ce que je note, c'est que certains disent ça, alors que la saison passée, on a dit « Ah non, mais c'est bien pour Lopez qui est Péri, parce que ça lui, ça l'oblige un petit peu à se bouger, euh, donc il est peut-être meilleur parce qu'il sait qu'il y a de la concurrence, etc. » Donc je ne vois pas ce qui marchait pour Lopez ne marcherait pas pour Perry. Puisque de toute façon, Pierre Sage a fixé les règles, Perry numéro 1 et Anthony Lopez numéro 2. Euh, ce que je pense, c'est que, si on regarde les premiers matchs de préparation où cette hiérarchie est clairement définie, j'ai pas eu l'impression qu'un Lucas Perry semblait perturbé par la situation, et c'est d'ailleurs ce que nous dit euh, David Friou. Il rappelle ce que nous a dit Pierre Sage lui même ce qui est clair pour nous euh, c'est que Lucas Perry est notre gardien numéro un pour la saison à venir. Bon, dans euh, l'interview qu'il donne sur l'OL Play, il euh, ajoute que Anthony Lopez et Perry sont des très grands professionnels et qu'il euh, n'y a pas de problème à ses yeux, je, euh, chose que je partage tout à fait. C'est-à-dire que Lopez, il le sait depuis que Perry est arrivé, bah, il a gardé sa place de numéro 1. Perry, on va dire, a pris son mal en patience sur le banc, mais il savait très bien que pour la saison qui vient, il allait être numéro 2. Euh, donc maintenant, écoutez, euh, c'est un choix qui lui appartient. Euh, le club lui a signifié qu'il pouvait partir puisqu'il ne prendra pas d'indemnité de transfert. Mais euh, Lopez a signé un contrat, le club a signé un contrat à chacun de le respecter, sauf si un départ, évidemment, arrange tout le monde, y compris le joueur. Alors, à la fin euh, de euh, cet article de l'Olympique et Lyonnais, on nous dit... Euh, les courtisans ne se bousculent pas, mais Loël et Lopez discutent encore pour trouver la meilleure solution, donc c'est les reprises, reprises des propos de David Friot. Avoir un deuxième gardien du niveau d'Anthony Lopez, franchement, ça ne peut pas heurter. En tout cas, pour moi, euh, ce n'est pas du tout un problème, et je trouve que ceux qui font de cette situation un problème, bah, se créent des problèmes là où il n'y en a pas. Perry est numéro 1, c'est écrit noir sur blanc. Il est numéro un pour la saison, donc sauf catastrophe, c'est-à-dire enchaînement sur trois, quatre, cinq matchs de boulettes euh, cosmiques, il en a fait quelques-unes des boulettes cosmiques. Hein, je vous invite à aller regarder <laughs> les fin, la fin de saison à Botafogo, mais enfin bon, euh, pour le moment à l'OL, il n'en a pas fait, donc peut-être que euh, voilà, il a mûri, il est en confiance. Donc pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors David Friot, ensuite est entré dans des cas bien particuliers puisque bah, vous le savez, l'OL doit rentrer quand même de l'argent. Alors, je n'ai pas vu euh, l'interview dans le Progrès, mais il paraît que euh, David Friot a dit que l'histoire des 100 millions, euh, ce n'était pas vrai. Donc des 100 millions de ventes. Donc je ne sais pas. Hein, je je n'ai pas lu l'article, c'est ce que j'ai entendu dire sur une autre chaîne YouTube. Euh, mais évidemment, euh, on a besoin quand même de rentrer d'argent, surtout si on veut réinvestir. Donc sur Maxence Cacré. Maxence, c'est aussi un enfant du club et qui est sur un plus long contrat que Ryan Cherky. Il est en contrat jusqu'en 2027, Cherky 2025. Donc, nous sommes à l'écoute du marché. Je pense que le marché va se décanter les dix derniers jours du Mercato. Ça ne veut pas, ça ne veut pas être de tout repos. C'est un très bon joueur, alors je pense qu'il aura son marché en Allemagne, en Italie, en Angleterre, je ne mets pas de frontières, il y a des prétendants, on a beaucoup de demandes, ça sonde beaucoup, et quand ça va dégainer d'un côté sur certains autres deals, ça va générer de l'argent qui va permettre de réinvestir sur différents joueurs. Alors, en fait, j'ai eu une incompréhension sur cette phrase, moi je comprenais de cette phrase que euh, le départ de Maxence Cacret va générer de l'argent. Et ça va nous permettre de réinvestir sur différents joueurs. Et en fait, quand j'ai regardé, ça c'est ce que j'ai lu, quand j'ai regardé l'interview, je l'ai compris d'une autre manière. En fait, il dit, il y a des prétendants, ça sonde, ça sonde beaucoup, quand ça va dégainer d'un côté, ça veut dire que quand il y aura des ventes dans les clubs intéressés par Maxence Cacré, ça va générer de l'argent. Et là, ça peut conduire à un départ de Maxence Cacré dans ces clubs-là. En tout cas, j'ai eu une compréhension différente en lisant cette phrase plutôt qu'en l'écoutant dite par David Friot. Concernant, euh, Tagliafico, et ça, j'avoue que j'ai été surpris, eh bien, lui, il ne veut pas se séparer de Tagliafico. Oui, il est en fin de contrat dans un an et c'est un risque qu'on veut prendre car on sait aussi ce qu'il peut nous apporter. C'est un joueur qui a une grinta et une attitude, un leadership naturel et qui, et qui répond présent en toutes circonstances et on est vraiment fiers d'avoir un joueur comme lui. Donc moi vraiment, s'il y a un mec que je pensais voir partir le plus rapidement possible au mercato, c'était bien Tagliafico. Finalement, on le garde, ce que je comprends pas trop d'ailleurs, parce que peut-être que Vinicius, euh, Abner Vinicius, a l'étoffe d'un titulaire. Donc avoir un Tagliafico euh, à une année de la fin de son contrat et qui en plus a une petite valeur sur le marché, euh, le garder dans l'effectif, j'avoue que je suis très surpris, mais bon écoutez, hein, ce, ce n'est pas moi le directeur sportif. Alors le loft, une chose est sûre, et que les joueurs sont mis dans les meilleures conditions, dans des conditions particulières. Il faut aussi penser à préparer l'équipe pour le début du championnat. Et les joueurs qui ne sont pas dans les stages s'entraînent quand même dans les meilleures conditions. On a reçu des offres. Alors là, contrairement à euh, Cacré où on parlait de demandes, de sondages, <laughs> etc., de prétendants, là non, on nous dit qu'il y a des offres pour certains déjà. Alors les deux avec lesquels je peux imaginer des offres, euh, c'est euh, Diomande, hein, qui est un jeune défenseur central, à 1m90, très bon dans les duels, moins avec le ballon-pied, mais enfin bon, euh, dans des clubs intermédiaires de Ligue 1 ou à l'étranger, ça peut faire la maille, et Amin Saar, à qui il reste beaucoup, beaucoup d'années de contrat, qui est un jeune attaquant, alors certes, qui n'est pas fait pour le haut niveau Ligue 1 ou euh, même Bundesliga, mais qu'il a aussi dans des championnats intermédiaires, là aussi 1m90, peut intéresser des gens, donc je pense que effectivement il y a des choses qui peuvent se passer pour lui. Alors David Friot a également parlé des jeunes joueurs, on en a quelques-uns bon, qui participent au stage actuellement à Divonne, donc Sel Enzo Molebe, évidemment euh, Mamadou Diawara, euh, le jeune Mamadou Sar également, donc bon bah lui il considère que justement avec ce potentiel de 50 matchs dans l'année, eh bien ils auront forcément du temps de jeu il euh, y aura il le dit hein, jouer euh, le jeudi le dimanche le jeudi le dimanche etc bah, c'est énergivore, donc clairement on compte euh, sur les jeunes joueurs. Vous remarquerez que dans tout ça il n'a pas vraiment fait mention eh bien qu'il y avait encore des postes à à, à améliorer. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que notre milieu de terrain est un petit peu en difficulté, je dirais même presque inquiétant euh, sur certains aspects. Bon, il n'a pas été interrogé sur le sujet, bah, si Cacré s'en va il sera sans doute remplacé je pense. Euh, Cherki, euh, même chose, quoique là aussi on est un petit peu le cul entre deux chaises puisque Thiago Almada qui d'une certaine manière, hein, je ne dis pas à 100%, mais d'une certaine manière... Euh, pourrait remplacer Cherki numériquement en tant que milieu offensif meneur de jeu, n'arrivera ben, qu'au mois de janvier. Donc qu'est-ce qu'on fait jusqu'au mois de janvier Vous voyez quand même cette situation avec Almada est très très embêtante, puisque euh, la saison du Brésil ne coïncide pas du tout avec notre saison à nous, puisque eux ils ont une saison qui va, on va dire, du mois de mars au mois de décembre, et que nous on commence euh, mi-août. Donc évidemment, euh, ça se télescope, et c'est quand même un petit souci. Alors ensuite, Pierre Sage, lui aussi, a été interrogé lors de ce stage à Divonne bains et en fait, j'étais très très intéressé pour avoir son point de vue sur l'association La Casette Mikotaze, et donc il a dit que, eh bien, il était possible de les faire jouer tous les deux, soit alternativement, en gros, un débute le match et l'autre va le remplacer, soit tous les deux, et il nous explique aussi que c'est pour ça qu'il a testé des systèmes avec deux numéros neuf des systèmes qui n'ont pas convaincu grand monde euh, mais il le dit aussi euh, il n'est pas euh, totalement impossible eh bien que mikotadze évolue à des positions inhabituelles euh, de manière à générer des associations inattendues donc moi ce que je comprends de ça eh bien c'est que mikotadze pourrait tout à fait soit reculer en milieu offensif soit tout simplement jouer dans l'aile puisque vous savez que on joue principalement en 4-1-4-1, que l'attaque à deux s'est révélée quand même un petit peu désastreuse, je trouve. Alors peut-être qu'avec les deux titulaires, ça va changer, mais en tout cas, je pense pas qu'il y ait grand monde, <laughs> suiveur de l'Olympique Lyonnais, qui, qui défendent cette attaque à deux. Il nous a dit aussi que la casette allait revenir pour le match de Monaco, donc fin août, mais que euh, il avait négocié avec lui le fait qu'il aurait des matchs euh, pour souffler euh, cette saison. Donc évidemment, là, la question ne se posera plus puisqu'on jouera avec Miko Tadze selon Pointe. Bon, évidemment, euh, je pense que tout cela euh, anticipe le départ de Gift Orban. Bon, c'est pas vraiment une surprise. Alors, est-ce on doit euh, vraiment atteindre les 100 millions de ventes hein Je rappelle que c'est l'équipe qui a soulevé euh, ce point-là. Certains disent oui, mais le club n'a jamais communiqué là-dessus, vous n'imaginez pas que le club va dire Ah, on doit absolument vendre pour 100 millions Non, il faut être sérieux, les amis, personne ne dit cela. Euh, donc on ne sait pas, hein. moi j'attends de voir le budget, euh, j'attends d'avoir plus d'informations euh, sur aussi les capacités euh, de John Textor et d'Eagle Football bah, de combler les trous, hein, parce que, comme je l'ai toujours dit. Euh, si vous ne vendez pas de joueurs mais que vous comblez les trous vous-même, bah, évidemment, euh, ça peut satisfaire la DNCG. Euh, J'entends certains qui pensent que si on ne fait pas les 100 millions, on va être bloqué au mois de janvier. Ce n'est pas du tout garanti. Là aussi, si l'actionnaire joue, joue le jeu, bah, vous pourrez euh, recruter. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement les capacités contributives d'Eagle Football. Ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que... Euh, ils avaient sorti 30 millions pour Nuama, ils ont sorti 20 millions pour Luis Enrique, ils ont sorti 20 millions euh, pour Almada, donc on est déjà à 70 et ils ont sorti 10 millions pour euh, Matheus Martins que je vous ai présenté dans une vidéo récente. Donc ça fait déjà 80 millions. Ce qui veut dire quand même que il bah, y, y a de la monnaie hein, du côté d'Eagle Football. Il y a un très très grand groupe derrière, hein, le groupe Ares. Alors, le Groupe Ares, à la base, est un groupe qui a prêté à John Textor, mais ils font partie du conseil d'administration d'Eagle Football. Et donc peut-être sont-ils d'accord avec sa stratégie d'acheter des joueurs pour faire des plus-values, etc., et qui lui avance tout simplement l'argent pour le faire. Vous remarquerez qu'on nous a prêté gratuitement Ernest Nuama. Acheté par Eagle Football, 25 millions plus bonus et que nous avons racheté Nuama 28 millions et demi donc il euh, euh, y a des liquidités à l'Olympique Lyonnais donc euh, Eagle peut se dire j'avance l'argent je sais que je vais le récupérer en bout de chaîne surtout si on arrive évidemment à se qualifier pour la Ligue des Champions qu'on a du succès etc etc bon bref donc vous voyez euh, l'association euh, Mikotadze casette euh, la euh, ça pose des questions mais évidemment, Pierre Sage va trouver des solutions, je n'en doute pas. Alors mardi, petite euh, intervention de Thibault Leplat, qui est un ami personnel de Pierre Sage et qui a fait un certain nombre de remarques qui ont déclenché la furie sur les réseaux sociaux. Premièrement, il a dit, mais comme il l'a dit de manière on va dire pas très claire, il s'est exprimé, on va dire, principalement sur deux sujets le positionnement de David Friot, euh, mais aussi euh, une sorte de fragilité euh, financière de John Textor. Donc autant vous dire qu'il s'est pris des volets de bois vert. Mais faut dire il a, il a dit les choses sans vraiment les nommer, et donc beaucoup de gens ont mal interprété ce qui avait été dit. Il dit ici il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'exister dans ce club aussi, donc ça peut partir dans tous les sens. Il y a eu des changements dans la hiérarchie qui font qu'il y a des choses qui ont changé. La prolongation de perçage a été compliquée. Il y a eu des informations contradictoires, le staff n'était pas mis au courant, ce n'est pas si fluide que ça. Ça s'est bien passé parce que les résultats étaient là, parce que Pierre Sage a réussi à tenir tout le monde ensemble, mais ça a été très compliqué à la fin de saison. L'annonce de sa prolongation est très tardive, alors que ce n'est pas lui le problème, il n'était pas vraiment en danger, mais c'est plutôt le staff qu'il avait lui-même constitué. Quand tu arrives avec un nouveau directeur sportif, eh bien, tu veux mettre des mecs à toi et c'est normal, mais ça fragilise les gens qui sont en place et il y a eu des tensions. Donc ce qu'il veut dire par là, c'est que David Friot, je le rappelle, quand il était nommé directeur sportif, il était écrit sur, on va dire, sa lettre de mission, qu'il devait trouver un entraîneur pour remplacer Pierre Sage qui était intérimaire. Donc, David Friot qui pensait à Sampoli, etc., n'a pas choisi Pierre Sage. Comprenez bien qu'on est dans des métiers où l'ego est très important. Donc il n'a pas choisi Pierre Sage. Pierre Sage, c'est un choix de John Textor, on va dire, conseillé par des membres du club qui étaient déjà en place. Donc, à, à la fin de la saison, Pierre Sage arrive à sa fin euh, d'intérimaire. Il doit être nommé. Euh, entraîneur principal, et donc David Friot se retrouve en tant que directeur sportif avec un coach qu'il n'a pas choisi, et en plus on accorde à ce coach la possibilité de choisir et nommer l'intégralité de son staff. Alors ça, David Friot peut le prendre assez mal en considérant que c'est quelque chose qui lui appartient et que euh, bah finalement on passe une nouvelle fois par au dessus de ses propres compétences. Donc, euh, si on comprend un peu le fonctionnement d'un club de foot, si on comprend aussi l'aspect d'ego qui est très très important chez des gens comme ça, enfin je veux dire, vous êtes directeur sportif d'un des trois plus gros clubs français, vous gagnez beaucoup d'argent, on vous donne de l'argent pour que vous exerciez vos responsabilités, et sur un certain nombre de sujets, vous ne pouvez pas exercer vos responsabilités puisqu'on le fait à votre place. Deuxième chose, euh, alors c'est pas dit là-dedans, c'est moi qui le rajoute, hein, euh, je pense que David Friot n'est pas spécialement ravi d'avoir un Michael Gerlinger, ou Michael Gerlinger, puisque c'est un allemand, au-dessus de lui. Euh, donc directeur sportif, on peut même dire super directeur sportif du groupe Eagle, bah, qui décide d'envoyer les joueurs ici, les joueurs là, tiens celui-là il serait bien pour Lyon, euh, celui-là plutôt pour Molenbeek et tout. Et donc je pense qu'effectivement, quand vous êtes directeur sportif, que vous avez une stratégie, on vient vous mettre des joueurs dans les pattes qui ne sont pas forcément des mauvais joueurs, mais qui n'ont pas forcément euh, une place, une utilité dans ce que vous voulez faire. Je reprends par exemple le cas de Thiago Almada. John Textor a décidé, pour faire plaisir aux fans de Botafogo, qu'il allait leur offrir Thiago Almada pendant quatre mois. Alors les fans de Botafogo sont très, sont très contents, nous on va avoir le départ de Ryan Cherki. Donc mettez-vous à la place de Frio. Il dit Si je recrute un milieu offensif, ça va coûter quand même de l'argent, si je veux quelqu'un on va dire d'un certain niveau, mais il va se marcher sur les pieds, ou alors il faudra les alterner sur le terrain quand Thiago Almada va arriver. Et ça ce n'est pas un choix de Frio que Almada reste quatre mois euh, à Botafogo. C'est un choix de Textor et peut-être de, de gerlinger donc vous voyez dans, dans ses attributions au quotidien, bah il est quand même empêché par un certain nombre de faits donc je pense qu'en plus quand on lui dit bah, c'est finalement pas toi qui vas choisir l'entraîneur alors que ça devait être ta première mission en plus tu vas pas choisir le staff alors que normalement c'est c'est dans tes attributions sur d'autant que Pierre sage est un un coach néophyte c'est pas comme quelqu'un qui viendrait et qui a euh, ses 7-8 assistants depuis 10 ans Enfin, vous comprenez la différence par exemple je pense que De Zerbi à Marseille il est venu avec ses assistants mais il, le mec il, il a une réputation et tout ça c'est normal, Pierre Sage n'a pas tout ça donc je pense que Friot il sent pas hyper bien dans le costume qu'on fait autour de lui donc c'est pour ça je pense que Thibaut Leplat a dit ça le problème pour Thibault leplace c'est que je l'ai interrogé sur Twitter, il ne m'a pas répondu. À mon avis, il a tort, puisque ma chaîne n'est pas hyper suivie, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui s'intéressent. Donc, ça lui aurait permis ben, de dire, de préciser le fond de sa pensée, euh, comme l'avait fait d'ailleurs David Guzman quand je l'avais interrogé et que lui m'avait répondu. Euh, deuxième chose, il parle de John Textor et il dit. Euh, je trouve les Lyonnais très optimistes alors que la situation est quand même loin d'être ré réellement résolue. Si les remboursements tu ne les fais pas, Textor saute, le club est extrêmement fragile. Alors euh, ce qui veut dire par là, mais là aussi comme il n'a pas répondu à mon message, je ne peux pas vraiment euh, être certain qu'il veut dire ça, mais je pense qu'il euh, dit euh, si euh, John Textor qui a financé en grande partie, l'acquisition de l'Olympique lyonnais, je crois, à hauteur de 550 millions d'emprunts. S'il ne peut pas rembourser ses emprunts parce que le club ne fait pas assez d'argent, ne fait pas assez de bénéfices, etc., etc., eh bien, il risque sa place. Et en fait, il y a un exemple euh, qu'on peut regarder, c'est celui de l'Inter Milan, quand même champion d'Italie, les amis, et dont le propriétaire, alors propriétaire chinois, n'a pas pu rembourser au fonds Oak Tree. Euh, ben, les emprunts qu'il avait fait, qu'il avait, euh, qu avait souscrit à la date prévue, eh bien, comme, pour garantir les emprunts, il a mis ses parts de l'Inter Milan, et donc, John Textor lui a mis ses parts non seulement de l'Olympique Lyonnais, mais aussi de Botafogo et de Crystal Palace et de Molenbeek, eh bien, les financiers pourraient tout à fait dire, écoute, John, tu es très sympathique, mais tu ne fais pas ce qu'on te demande, tu ne rembourses pas tes mensualités, donc tu vas prendre la porte et nous, nous allons prendre ta place. Donc c'est ça, je pense, qu'il a voulu dire. Bon, on n'en est pas là, attention. Hein. <laughs> mais en tout cas, c'est ça qu'il voulait dire. Euh, donc il a été extrêmement attaqué sur les réseaux sociaux. Malheureusement, euh, il n'a pas voulu s'expliquer, sinon j'aurais pu me faire son porte-parole. Mais bon. Donc voilà mon interprétation de la situation. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires si vous euh, ben avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.